الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله nous continuons nous laissons connaissance qu'il a profité avec le Tami رحمه الله et on rappelle étudiant dans chapitre Tazkiyat al-Nafs le classement quand les personnes méritent l'estighfar les autres pour des dhibs Ibn al-Qayyim رحمه الله l'idia وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية يوما سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ابن القيم ديا أنزو مفين ديا الشيخ الإسلام ابن تيمية إن سيتن سعوان في ذات كشتوني concernant qui qu'il soit plus profitable pour un esclave qui qu'il soit meilleur lui fait التسبيح أو الاستغفار فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإذا كان نجسا فالصابون والماء الحار أنفع له. Alors ça semble on a fait une réponse. Si les vêtements les propres, alors il y a parfum, des lotions, mais il y a pour lui. Si les vêtements là sales, c'est savon et des lotions qui meilleur pour lui. فقال لي فكيف والثياب لا تزال نجسة. Et maintenant il y a déjà qui doit vous dire c'est les vêtements là ils sont toujours sales. Alors par ça, Ibn Taymiyyah rahimahullah peut montrer, Ibn Qayyim rahimahullah peut citer depuis Ibn Taymiyyah que nous, insans, nous faisons beaucoup péché. Nous n'avons fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons l'obligation. Et après ça, nous faisons tant capable de faire dhikr. Tant capable de faire nous dhikr. Ça dhikr là, qui sont les meilleurs, nous engageons dans qui dit les meilleurs. Nous restons subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ça les meilleurs. Ou bien nous restons astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors, mais qui sont ceux qui nous disent qu'on voit que l'islam finance nous et ça et ça. Un jour, nous avons regardé, j'ai un mouakhet, faire salam ou bien, ou faire le plan. C'est un jour, j'ai un mouakhet, faire stighfar, ou nous disons subhanallah, alhamdulillah. Pas bon, parce que la hadith finance nous et dit, faire stighfar. C'est un jour où je vous dis, subhanallah, alhamdulillah, vous faites l'estighfar. Pardon, parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous ont dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mais j'ai pu faire, vous avez fait tout. Mais chaque jour, à l'intérieur des lits, vous avez trouvé quelque chose de meilleur, il fait en quantité. Il fait en quantité. Et ça, vous voyez, chaque jour, les visages donnent ce propre fatwa concernant lui. Un exemple, il ça voilà, une intervention, c'est un jour, il considère lui comme un vêtement. Si il trouve que ce vêtement-là est déjà propre, un vêtement qui est déjà propre, qui nous veut aller. Mais là, on ne veut pas le vêtement faire avec lui. Un vêtement qui est déjà propre, qui nous veut aller, on ne veut pas faire avec lui. Si un vêtement est sale, qui va le faire? Le pauvre va le faire à la vie. À la vie. Alors pour ça, il vous t'aime à l'Allah, vous montrez qui. Un jour, il vous a connu qui il fait plus beaucoup de péché ou bien il fait plus beaucoup de bon action. Un jour, il vous a connu lui-même lui. Est-ce qu'il y a un jour qui fait plus beaucoup de péché ou bien il fait plus beaucoup de bon action? Alors si il y a un jour qui fait plus beaucoup de bon action, alors Inch'Allah, il croyait sa vêtement qui est déjà propre là, il fait tasbih en quantité. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sans qu'il y ait l'église, istighfar. Mais si il y a un jour qui peut connaître tous les jours, il peut déjà faire péché, il déjà peut faire péché, il peut faire péché, il peut venir même. Il fait tasbih, oui, mais c'est mal, il faisait istighfar, il dit en quantité. Il faisait faire istighfar en quantité. Donc, istighfar, c'est comme ça, il lave sa laisse mal propre là. Les mélanges, ça a l'air sale là. Tandis qu'il t'aspire, les commandes, mais parfume un linge. Le parfume un linge. Alors, nous plus mérite, lave nos linges qui sale, quand on finit là, nous mettons parfum. Et ça, l'exemple là, les propos qu'on se laisse faire, t'aspire. En général, il y a un bon exemple. Dans présence des chiffres, nous peut causer l'État islamique. Dans la présence des chiffres, nous peut causer l'État islamique. Moi, j'ai dit, un laisse pas sale, un laisse pourriture, nous peut causer en termes de parfumerie.
Les pas vous pensez, les pas vous pensez, mais déjà, bizarre les propres, et là qui vous cause pas fumé, là vous cause pas fumé. Comme ça même, le halet sa ummet là, tant peine à nettoyage, peine à pas fumé. Pas hypocrite, je cause en termes de guédé. Camouflé, pas fumé. C'est-à-dire, même qui vous dit en bas, tout retire, ben ben je mets, je mets, fil, cette peinture là, et qui en veut dire en baguette, une pourrie. Zodi n'a beaucoup de bandes comme ça. Il n'a beaucoup de bandes comme ça. Je peux cause en termes l'unité, je peux cause en termes, vous voyez, une chaman, nous pouvons prendre l'île Maurice là, nous pouvons établir l'état islamique là. C'est ni fausse, parce qu'il nous l'état, et comment dire, ça, le dos qui nous pourrit là, il a beaucoup pourri, tiens, beaucoup de rires, il a beaucoup de rires. Rouiller là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Là, ils ont nettoyé. Nettoyer. Quand fini nettoyer, les larves posent peinturer, les larves posent parfumer. Mais, là, dis mon, je cause pas où les temps ça avait nettoyé là, où les serveurs qui étaient peinturés, parfumés, et définitivement, il n'y a pas, c'est pas ça, d'accord, que les prophètes terminent avec ça. Le 28-10 premier jour de Dhul-Hijja. من تيمية رحمه الله جاء أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة في اسمها أنزوني لازوني بعدان جس ذي الحجة سلمية كيبان لازوني بعدان جس يعني زود رمضان تجس كيبان نوي جس يعني نوت رمضان سلمية qui dix premières nuits de l'Hijja. Alors, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un meilleur jour, c'est dix premiers jours de l'Hijja, un meilleur. Ensuite, nous avons un hadith qui fait cause concernant quantité ibadat que le prophète fait faire pendant dix derniers Ramadan, il n'est pas fait sa quantité ibadat, là, sa quantité d'effort, là, devant les autres nuits. Je suis dit qu'il y a un peu de temps, il y a dire que ça va 10 dernières nuits de Ramadan, c'est ma meilleure nuit. Alors, quand nous vous demandons qui meilleur, ça 10 jours là ou bien ça 10 jours là, et nous devons dire non, ne pas dire ça 10 jours là ou bien le 10 jours. Nous disons la zone est ça 10 jours là meilleure et la nuit de ça 10 jours là, les meilleurs. Alors, alhamdoulilah. Traverse 10 dernières nuits, Ramadan, le Dakar, le Dakar, fini créer nouveau Evan Kvin, début, pendant le cadre. Et Inch'Allah, Allah va nous témoigner 10 premiers jours de l'Hijja qui nous fait ibadat pendant ça, 10 jours qui peuvent, qui pouvaient venir là, définitivement, ben ibadat qui nous fait pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faudrait pas qu'on ait nos réserves, ça va nous mettre là. Ou bien ça va un jour là, pour aller faire rallye ou bicyclette, pour aller des camions ou bif, tout ça là. Sans qu'il y ait, pas dire qu'il y ait haram, mes enfants, pour qu'il y ait bif, c'est pas qu'il y ait. Mais, le besoin qu'on ait qui ça, 10 premiers jours de l'Hijja là, c'est bien 10 premiers jours de nous faire quantité d'ibadat qui nous capable. Qui fait mal pour faire, vous avez distraction pour vivre. Nous t'aimons bien, Rahimahullah, les dire. فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول مسكر أو رؤية ملهن أو سماع مطرب ونحو ذلك يقوم بيشي تنطيما سفرانس كي فيني فيت إي كونتينيال. Et Allah tout seul connaît que quand j'étais souffrant, ça a amené dans les guerres. Alors, je te dis, c'est à cause de ça qu'il te retrouve la majorité de sa bande qui est dans le couple, dans le péché. Je n'ai pas capable de vivre une vie agréable, excepté avec quelque chose qui peut enlever l'esprit et distraire les guerres, soit par consommation intoxicante, ou bien admirer quelque chose qui est amusant, ou bien écouter une chanteur, ou bien quelque chose semblable à ça. Alors, Ibn Taymiyyah, rahmatullah. Et explique concernant l'effet qui bon action est là
et l'effet qui mauvais action est là. Nous ressentis, nous pas ressentis, quelque chose là, il bizarre dans sa façon là, qui bon action qui nous fait, il a l'effet l'eau, il a l'effet l'eau, il a l'effet dans nous la vie. Et mauvais action qui nous fait, nous contents, nous pas contents, nous ressentis, nous pas ressentis, il a l'effet. Il démontre que la façon dont on est capable de témoigner l'effet. Il est que ça va être quelqu'un qui est dans le couvre et dans le péché. Ce va être quelqu'un qui n'est pas capable de vivre sans la musique. Ce va être quelqu'un qui n'est pas capable de vivre sans la musique, c'est pas sans télévision, sans une distraction qui vient. Mais déjà, je t'ai souffrance, je t'ai qu'il y a mort qui te sauve. Je t'ai qu'il y a, on va dire, souffrance, je t'ai bizarre qui te sauve. Alors, je t'ai bien dire, quand je t'écoute la musique, je comme ça, je me souffre avec ça. Je t'ai sauvé un petit peu depuis ça, depuis dans sa souffrance, qui je t'ai dit, ça fait oublier cette souffrance que je t'ai dans. Une souffrance de couple. Pas une souffrance de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premièrement, par sa parole, nous comprenons que nous, musulmans, nous devons suivre là-dedans que n'importe quand nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose là, les points sur les faits, qui les concerne à l'aqida, concerne à manhaj, ou bien n'importe qui, il y a une cause mentie, par exemple, pas sautée, pas de l'aide, vous craignez. Ça va être un dimon. Il y a une conviction dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont pas aujourd'hui, pas demain pour arriver. Pas aujourd'hui, pas demain pour arriver. Qui fait? Parce qu'il y a un dimon qui a désobéi à Allah. Pour y avoir une conséquence. Pour y avoir une conséquence. Surtout, pour une désobéissance à Allah. Qui croit être tous direct d'in Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez tout du monde faire, ça aussi il a son mauvais conséquences, effectivement. Nous les invités pour sortir de là-dedans. Mais mal pensez au nom d'in Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, faire bouffon avec ban kilo la vérité. Faire bouffon avec ban kilo la vérité. Ou un indien, Abu Salafi, c'est pas vous, Abu Khawarij, soi-disant. Pardonnez-moi, qui je t'ai pas révité, après je t'ai révité, après je voulais vous pas révité. Et soi-disant, certains ont fait une certaine cérémonie, nous qui n'avons plus à cette cérémonie. Et nous, quand nous sommes là, on peut redire, quand nous sommes là, on peut pas nous là, il y a certains qui ont fait une certaine cérémonie. Moi qui sommes là, je ne vais pas me descendre, je ne vais pas me la case. Quand nous sommes là, alors vous ça la fin non tout à cette. Alors, pas qu'à ça, c'est quelque chose là. Les bouvini des temps à vous. Mais si vous nous retenez, il y a un bouffon. Il fait un bouffon. C'est un bouffon là. Il pour répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait un pour répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'importe quand nous devons faire un péché, nous musulmans, nous connaissons cette chose là. Allah, il met un ange, il peut prendre un autre et nous répondons pour ça contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est comique là-dedans, ou bien ce qui s'incline plutôt là-dedans, ce qui fait un bouffon, ce qui est pile, je t'envoie tout, vous voyez, je t'envoie tout, pas ici. Alors, tout ça, un jour, un jour qui appelle, Kiyama, Code Pouena, règlement des comptes, des sabanes, Zafira, mais Alhamdulillah, nous, au niveau Al-Bouddha, nous n'avons aucun camarade gay. Ou bien frère, qui comment dire, nous pas accueillir à Banla, non, nous pas accueillir à Banla. Nous ne pouvons pas le cimer pour dire, nous quand ça vient avec cause contre Banla. Il faut bien cause contre ça. Il faut bien cause contre ça. Aïe, Coran, clé, hadith, clé, façon de parler. Nous, les chiens, connaissons quelque chose à haram. Nous, les chiens, connaissons quelque chose à haram. Maman, je ne récite pas quelque chose de haram. Après, pour que finalement, je dis non, nous accueillons les homosexuels. Et, alors, pour les haram, pas pour ciser ça, pour qu'elle tout le mot ciser. Et, ce qui nous veut dire, désobéissance à Allah, il y a des faits. Désobéissance à Allah, il y a des faits. Pas aujourd'hui, pas demain, pour trouver. N'importe quand on peut désobéir à Allah, ce n'est pas fini la tauba, pour une souffrance.
surtout ban désobéissance Allah concernant concernant Allah subhanahu wa ta'ala poina ban nefi deuxième petite chose qui nous convient pour ça c'est qui fait quand gueule ban kafir majel ce ban djimoun qui je pas capable vivre sans sa ban distraction là parce qu'il dans son tête il y a peine à la joie peine une tranquillité dans l'équilibre et ça prouve qu'un musulman il pas besoin de ça quelque chose là qui va besoin pour ta musique qui fait besoin pour ta musique qui fait djimoun quoi dire oui à soir fait il y a sur la musique pour l'écouter qui fait elle il est bizarre quelque chose là quoi l'intro il est bizarre quelque chose là un musulman pas besoin ça qui fait il pas besoin ça parce qu'il est bien la maladie qui parce qu'il est bien la maladie qui est sur le qui est en bon état il va besoin ça ban quelque chose là il va besoin ça ban quelque chose là et en même temps nous comprenons pas ça n'importe qui musulman les trouve qui les là ban faiblesse les bizins get télévision les bizins écoute la musique les bizins ça ban juste sens haram là ça les pas indique non excepté qui l'état sur les qui est l'état qui était critique l'état critique veut dire si nous réalise tawhid ma bizin dans les qui nous est à la fria Allah nous à l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala ouina tranquillité dans les qui ouina tranquillité dans les qui et pour ça pour permission Allah subhanahu wa ta'ala ne pas vous bizin ne pas vous bizin ban distraction haram ne pas vous bizin ban distraction haram et ça quand on dit nous on besoin de ça nous bons enfants plus en besoin de ça nous bons enfants plus en besoin de ça mais dire ça quantité tentation haram qui est en dit ou là quelque chose qui protège nos enfants comme ça si celui qui est riche il peut sentir qu'il n'est pas en besoin si celui qui est déjà dans la joie dans celui qui est la joie qui vient là à travers tawhid à travers l'obéissance à la celui qui est déjà gay si celui qui est déjà gay regarde, en français celui qui est déjà avec contentement, c'est celui qui est déjà avec contentement. Alors, pas besoin de contentement. Il n'y a pas besoin de chercher contentement haram. Il n'y a pas besoin de chercher contentement haram. Quand il y a chercher contentement haram, quand il y a peine à contentement de ce, celui qui a peine à sa gaieté là, dans celui qui. Alors, cherche pour qu'il nous remplit de l'équipe avec la joie, avec contentement, avec gaieté. Comment vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Obligatoirement, vous avez une attitude dans le péché. Vous avez dit que 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 celui qui pense qu'il péché n'est pas pour dit à quelqu'un qui peut persister ou là, en vérité, il y a des égards qui peuvent compter le Coran, le Sunna, l'Ijma, l'Iman, Salaf, l'Iman, l'Iman, l'Iman. Alors, ça aussi, il concerne parce qu'il y a tout le temps, c'est aussi une aqida, surtout en relation avec l'Iman, un égard, l'Iman, soufi. Quand je permets de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit disant, sa péché là, sa désobéissance là, il n'y a aucun effet là, là aux autres. Alors, il y a maintenant, on a déjà péché obligatoirement dans l'effet. Péché, il y en a un effet. Il y en a une conséquence, quelque chose là, au cas, pas un ressenti, mais quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on persiste là, on peut persister là, là, on trouve une conséquence. Il y a certains mansalaf qui disent on désobéit à Allah, on trouve ses conséquences d'un comportement de madame envers moi. On trouve ses conséquences d'un comportement de madame envers moi. Oui, madame n'est plus, quoi dire, les déplis peuvent soumettre, comment je peux soumettre envers moi, les déplis peuvent respecter. Comment les respirer moi? Alors, c'est ça, salaf là. Quand il fait un péché, il peut redire quoi de conséquence? Il y a pour bien les conséquences, il trouve qu'il parle là-bas. Mais ce problème, il a dit, mon incitant, il est trempé dans le péché, il n'a pas, il n'a pas fait trouble.
li pa konsyant ki sa ban peche la la konsekans, li da peche, li da konsekans peche la, li pi ankon de kontinye, e ankon de kontinye de li, li pa pe resanti ki li perdi l'autorite dan la kaz, li perdi l'autorite lo se ganson, lo se tifi, e kon sa kontite soufer a l'interye li pe, li pe soufer ki... Mais c'est pas, il n'est pas réalisé que ça c'est une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a pourtant qu'un démon il cherche le nez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas cherché le nez avec une créature. Il plie pas bizarre cherche le nez avec qui dit le kafir. Il est bizarre, pas cherche le nez avec kafir. Vous ne connaissez pas sa photo que vous m'avez dit pour la da'i. Et en même temps, pour un mouchrik, un mouchrika, un miss, un leut, et ensemble avec lui, quand vous présentez dans le tribunal Allah, comment on va répondre ça? Comment on va répondre ça? Et définitivement, quand un démon lui prend une cimée, quand il est loin, il est depuis Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, je fais une petite chose qui c'est vraiment dégoûtant. Conséquence de sa péché là, c'est qu'il saute dans sa petite chose dégoûtante là, mais pour ça, un fier de ça. Pour ça, un fier de ça. Moi, en tant que da'i, et un mouchrik ensemble avec moi, et on va vous passer à Moussaman, ensemble, c'est pas Zépol, une costique, Zépol, le n'est-ce pas? Zis la toile là, qui une costique là, par là, on va connaître. Et c'est un lunaire pour Moussaman, ça. Et une lunaire pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, connaît qui péché, il peut y avoir une conséquence. Parmi les conséquences, pour finir là, c'est tellement ça la fin de dire, c'est. Ou pas réaliser qu'on peut faire face à conséquences péché. Ou pas réaliser qu'on peut faire face à conséquences péché. Il n'y a pas de penser, même qu'il y a un déjeuner à ça. Pour lui, il y a une ligne qui est normale. من بين الكتسوس نو مال أنسيت يتمر الله لجي كونسيكونس بيشي بابي لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو كما تيمون في الناس أباري بان بيشي كالك سو رسول في نو بيشي الله في فيما لني قاي لي ديسو لو بان لا يتمي يا رحمه الله لجي بأس ما يذكر عن حديث المتمة كي Zodi, quand Kafir Fidel est déçu, l'homme musulman, il n'y a pas quelque chose qui nous dit comme ça même. Et à chaque fois, comment nous dire, ce n'est pas la force du mouchrik qui nous fait le mouchrik qui est déçu, l'homme musulman. Mais c'est plutôt la faiblesse du musulman qui nous fait le mouchrik qui est déçu, l'homme musulman. Ce n'est pas la force du mouchrik. C'est pas la force dans le mouchrik. C'est plutôt faiblesse dans le musulman. Faiblesse dans le musulman là qui est ça. C'est péché. Faiblesse dans le musulman, c'est shirk, c'est bid'a, c'est désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui faut, n'importe qui faut, c'est faiblesse. Alors quand nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et désobéissance à Allah pour nous quelque chose normal, connaît qui? Un peu la façon qu'Allah a fini, ben dimon, c'est Allah Ta'ala, il y a un mouchrik, un kuffar, il est déçu, l'onu, et quelque chose là, fini là, dans le passé, ben tator, comment fini, il est déçu, dans l'Irak, et aussi, d'abord, de Maqdis, un chrétien, je dis, il est déçu, et dans l'époque aussi, comment un mouchrik, un kafir, c'est eux qui peuvent couvrir le monde directement, hein? Indirectement. Ce n'est pas donné à vous pour dire Allah, pour les musulmans. Alors, comment vous sortir depuis là-dedans, répondre à dire Allah subhanahu wa ta'ala, sortir depuis le péché, sortir depuis le péché. Et As-Salafi, il y a un qui péché. Tout péché, c'est péché. C'est pas juste qu'on va dire nous concentrer dans l'empêchement de certains péchés et nous faire obliger le les autres dans le péché. Non. Pour nous, péché, tout péché, c'est péché. Simplement,
nous n'avons pas d'accord pour qu'il nous place n'importe qui péché devant Shirk et Bid'a. Pas une dire si pas l'homosexualité, ou bien Zina, ou bien l'écoute, ou bien le tout ça là, calamité Allah m'est venu. Oui, calamité Allah m'est venu, mais Shirk n'a pas la même calamité Allah. Bid'a pas la même calamité Allah. Ça qui n'a pas la même calamité Allah, ça qui n'a pas la même calamité Allah, le gars pour contribuer, le gars pour ajouter. Alors, il y a des gens qui vont dire, quand ils trouvent l'immoralité, et donc calamité Allah m'est venu. Quand ils trouvent Shirk, ils trouvent fait ensemble avec Ban Brelui. Ils trouvent fait Eid ensemble avec Brelui. Les causes en terre, Ban Frère musulman. Les causes en terre, Ban Frère musulman. Et qui est na Shirk et na Bid'a dans Saban Zimoun là. Alors, nous bien combattre tout péché. Nous avons combattu tout péché, tout les plus oubliés, grâce à la soumise, les tibis. Et ça va dire que là, c'est vraiment injuste. C'est ce même qui dit, ça n'a fait ce problème là-bas, ce problème de pantalon là aussi. Mais si ça n'a fait ce problème, vraiment, un musulman, en tant que musulman, peut-être qu'ils font ça, ça n'a fait pas ça, n'a fait. Si l'islam vient en paix, un homme, le soleil dépasse chez lui. Nous n'avons pas d'accord à ça. Quand nous n'avons pas d'accord à ça, comment dire ça a nos problèmes. Mais si ça nous problème, nous n'avons pas d'accord à ça, c'est qu'il y a des petits péchés là. Si on a des petits péchés là, nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord avec des gros péchés là. Comment est-ce logique qu'il nous d'accord avec des gros péchés là? Mais, il y a des gens qui sont injustes parmi les conséquences de l'injustice qui nous aiment bien, Allah dit. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ابن تيمية يا سيدي سيدنا في الجيل. Allah dit un plan religieux, un état qui est juste, même s'il y a l'état kafir et il détruit un état qui est injuste, même si c'est un état musulman. C'était l'État musulman. Bien sa parole là. Comment les montrer nous? Ben, la justice qui vient là dans nous. La justice qui vient là dans nous. Comment? Tiens qui tu compares Premier ministre d'un pays. Comment dire? Comment? Pharaon. Comment Abu Jahl? Ça c'est l'injustice. Ça c'est l'injustice. Quelque chose qui nous vient connaître, nous sommes tous les pays d'un pays, d'un Maurice. La démocratie dans l'IM du Koumadjan est hilar. La démocratie, c'est un hilar. Surtout quand nous avons une quantité qui va nous couffrir, à l'Européen, la guerre à cause de la démocratie. Je m'appelle la guerre pour nous. Ou non, je m'appelle la guerre pour ce bon Dieu. Je m'appelle la guerre pour ce bon Dieu. Un musulman n'a pas le droit d'accepter la démocratie comme de dire son aqida. Mais quand on peut vivre dans un système, quoi dire, dans la démocratie, quand on peut vivre là-dedans, nous ne pouvons pas vivre en déo ça. Nous ne pouvons pas vivre en déo ça. Alors, quelque chose qui nous faisait accepter, nous faisait comprendre que la démocratie, il n'est pas pareil comme Abu Jahl, il n'est pas pareil comme Abu Lahab. Abu Jahl, Abu Lahab, peut jouer les prophètes, peut battre les prophètes, peut maltraiter les prophètes, peut maltraiter le Coran, peut persécuter qui accepte l'islam. Est-ce que le Premier ministre peut faire ça? Est-ce que le Premier ministre peut faire ça? Il peut jouer les prophètes, il peut maltraiter les prophètes, il peut persécuter les musulmans, il peut déjà persécuter les musulmans. Comment tu peux être bien sécurité encore par vous dire à Abu Lahab? Non. Dans certaines langues, nous pouvons dire, nous pouvons vivre dans certaines justices qui veillent, pas parce que, comment dire, Jim Sabana, je suis content de la justice, non. Parce que la démocratie enseigne l'hypocrisie. Parce que la démocratie enseigne l'hypocrisie, veut dire, quand nous, chacun est libre pour pratiquer sa religion. Ça, c'est le langage que nous donnons.
Ça, c'est leur base qui, au bout qui d'un pays, côté dans la démocratie, chacun libre pour pratiquer sa religion. Et en réalité, même dans l'islam d'un pays musulman, d'un état islamique, nous n'avons pas de force en Djimoun pour accepter l'islam. Nous n'avons pas de droit force en Djimoun pour accepter l'islam. Donc, c'est comme on dit à vous. Et nous avons dit que c'est injuste quand je compare un premier ministre avec Pharaon, avec Abu Jahl, avec Abu Lahab. Quand sa premier ministre, il y a un premier ministre d'un pays, d'un système démocratie, la démocratie en syndicaté, tout religion, il accepte toute religion. Hypocritement, ou bien comment ça il y a assez visible, mais on va dire ce système-là fait alligéter. Est-ce qu'il peut jouer ton prophète? Est-ce qu'il peut malgré ton prophète? Est-ce qu'il peut jouer ton Coran? Non. Au contraire, on est capable de trouver un premier ministre et venir dire où les cours d'une parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il vient dire où dans le Coran, dans le verset, telle qu'une chose. Tout ça là, ne pas mettre dans une. Dans une la sauce, non, nous pouvons prendre ce dans un système guédé, démocratie. Et ce système-là, quand je là-dedans, je ne suis pas pour capable, comme on dit, ce n'est pas la frayeur bon Dieu. On va rentrer dans l'église avec moi, c'est divisible. Ce n'est pas la frayeur bon Dieu qui peut dire je n'ai pas sous le prophète. N'a pas joué le prophète des musulmans, pas mal pour le Coran des musulmans. Mais c'est plutôt cette démocratie-là, c'est ça qui veut enseigner, c'est ça. Alors il y a pour autant, ça qui fait, il y a un petit monde. Quand il peut vivre dans des pays pour un musulman, pour un Maurice, comme il y a certains, il déjà fait, et même pour Havari, c'est pas Gédé, pour ce dernier poste, l'Indie a sa petite sauce là. Il peut comparer un premier ministre avec ça. Avec Abu Jahl, avec Abu Lahab, qui est autorité. Il ne va pas comme ça. Il ne va pas comme ça. Il ne va pas défendre un tel ou bien un tel. Mais nous devons dire être juste pour vous. Être juste. Abu Jahl, Abu Lahab. Qu'est-ce que nous avons mis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a le Coran qui dit ça? Qu'est-ce que l'ennemi le prophète? Il y a l'ennemi le prophète. Tu comportes un premier ministre qui lui veut dire à toi, dans mon pays, ça qu'un libre pour pratiquer sa religion. Tu comportes ça avec ça? C'est une injustice. C'est une injustice. Alors, il faut dire, vraiment, là, Pétien, parfois, il y a certains pays kafirs, les continuer à progresser. Les continuer, comme on dit, côté de l'Union. Les toujours dans une certaine prospérité. Pourtant, kafir. Et l'autre côté, il me dit, il a déjà fini dans le pays musulman. Musulman, il détruit, il crase. Il dit, parce qu'il dans sa pays kafir, il a fini dans le pays musulman. Dans sa pays musulman, il a fini dans le pays. Qu'est-ce que vous avez mis avec la paix? Puis on sait nous, parfois, dans un pays qui a affirmé la justice. Et même dans le pays Maurice, alhamdoulilah, nous jouons la justice. Nous jouons la justice. Tous les certains extraits, normal. Pas n'empêche nous faire salade. Nous pouvons faire salade. On regarde d'abord, on met hijab, on met djilbab, on vient sur le Coran, on vient expliquer tawhid. Moi, je critique Shirk. Subhanallah, qui nous voulait plus que ça? Qui nous voulait plus que ça? Nous disons, mais devant si va qui ça, devant pour parler. Vous dites, ah non, nous pas d'accord avec un garçon, mais qui veut voir un garçon? Enfin, je ne pas réaliser. Alors, nous, l'islam, pas d'enseigner, nous, on ne pas dire quelque chose inutile. L'islam, ce qui est probablement inutile, une cause mentie, pas de mentir. Je t'ai invité à poser le pan. Invité à faire la mazassar, pas connaître de Ramzan, c'est pas le sunnah, pas la mazassar. Dans l'arrivée, on connaît de Ramzan, reste de mazid, fait zikar, il y a le Coran, fait zikou, pas à takbir, pas à l'émois, pas à un hadith, une zoja, il fait à sarda. Le aussi, pas demandé. Après, quand j'ai fini, qu'on se menti, pour ce qui se tue, pas ce qui est inutile, je n'ai pas envie de nous accueillir les homosexuels. Quand Allah
quoi montrer, nous montrer. Celui qui a envie de trouver, trouver. Celui qui a envie de trouver, il est trouvé. Mais pas tout le monde qui a envie de trouver. Mais pas tout le monde qui a envie de trouver. Alors, il y a pourtant qui nous comprend la petite chose, c'est-à-dire comment l'islam vient enseigner nous. Et nous devons être juste. Nous devons être juste. Il y a beaucoup de choses qui nous réjouissent dans ce pays-là. Comment Javed et vos cousins. Allah connaît comment se résonner avant de dire. Et j'ai dit, comment un pays kafir, les kafirs de nous payer, nous pas 11 masjid, taou, quoi, taou, impossible ça. Comprenez. Et dire, nous payer un pays kafir. Pour lui, pour 11 masjid, ou pas qu'avoir le premier mission avec. Gouvernement, veut dire mon tout masjid comment? Sans pire. Mon tout masjid, sans pire. À ce terme, si toutefois on a le grand permis, nous pouvons prendre le permis pour arranger le masjid qui est arrivé là. Impossible, ça, gouvernement qui arrive là, il peut donner nous un masjid, un permis pour un masjid, qu'on peut vivre bien. Donc, si, on a dit, on a un petit coin à arranger, on a sur la case, on fait une masjid, je ne pas quitter ça. Est-ce qu'il est possible ça? Est possible ça? Nous pouvons vivre dans un pays. Quoi dire? Tout le monde peut dire permis pour n'importe quelle chose. Toi, un lieu que tu peux rassembler du monde, tu peux pas dire permis. Mais nous pouvons rentrer en conflit. Avec le gouvernement. Allez, nous tiens permis, nous avons un masjid. Car nous ne pouvons pas dire que nous ado, la démocratie. Puis nous disons. Ado, Allah Rabbul Alamin. Donc, c'est que nous devons faire comprendre. Oui, nous devons vivre dans un pays kafir, mais être juste envers sa pays kafir. Être juste envers sa pays kafir là. Il y a beaucoup de bien dans sa pays là. Malgré ce chef, malgré le peuple, il y a beaucoup de bien qui nous peut gagner. Nos enfants peuvent grandir pour vivre dans sa pays là. Un seul erreur, sa pays là peut vivre. Un seul erreur, sa pays là peut vivre. Qui erreur? Pas qui ont envie de vivre dans la série de nos autres avions, les autres à vivre là-bas, pourquoi? Il est bloqué comme les autres à aller. Finalement, ça fout nous la même pas ici. On a envie de vivre la série. Laisse-nous nous vivre ici. C'est ma dimon qui. Je peine dit tout la justice dans eux. Je peine dit tout la justice dans eux. Zis négatif, zis négatif, zis négatif. Et d'une façon qui je peux faire musulman perdu ce qui nous déjà perdus dans ce pays-là. Et d'être, au contraire, si c'est perdu, nous capables de faire face à ma difficulté qui, comme on dit, c'est ma petit esprit qui nous fait nous faire ce qu'on dit, pour bien payer les conséquences, ça va être une chose-là. Nous amène la vie, nous vivons comme un intelligent. Nous comme un intelligent, nous connaissons qu'il appelle shirk, nous connaissons qu'il appelle kouf, nous connaissons qu'il appelle l'obéissance à Allah, nous connaissons qu'il appelle désobéissance à Allah. Et ça c'est l'islam. L'islam il enseigne comment nous devons vivre. Comme un exemple, pensez, un djimoun par exemple, lit dans salle de bain, l'intia solaise, bébé, il fait quelque chose pas bizarre là. Il y a tout soleil, mais ben, est-ce qu'il fait que ce n'est pas bien? Un jour, on y a oublié la rive, il y a tout soleil. Il est bon? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et c'est un mal imbécile là, ça. Quand ou d'une place, ça quelque chose là, il est bon là. Ta place qui vous était, il est bon. Simple quelque chose là, là, il n'est pas bon. Quand nous pouvons vivre dans un pays musulman, il y a quelque chose qui nous dit à nous faire. Quand nous pouvons vivre dans un pays café, nous faire, nous dire, non, pas besoin de dire, pas besoin de faire. Passe aux places, ça. Passe aux places, là. Ça, c'est l'islam. L'islam, il enseigne nous. Il y en a quelque chose, vous faire là, mais là, on ne peut pas faire. Là où on peut vivre dans un pays musulman, là où on peut vivre dans un pays café. Alors, quand je dis, moi, les filles, comprennent ça, pas une petite chose, pour faire, mais je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, pour aider, pour qu'il y ait une source fitna. Dans ça pays là
qu'Allah subhanahu wa ta'ala li li protège. Donc quelle parole Ibn Taymiyyah qui l'université li dia finance cette ensemble fin dire un pays kafir qui n'a la justice là-dedans, les bon pays qui pourrait la prospérité là-dedans. Tandis qu'un pays musulman qui n'a l'injustice, ça fait la poêle couler. Et tu as l'injustice, les peines qui sont simples. Les peines qui sont simples. Si les peines qui sont simples, il ne faudrait pas nous venir. Quoi dire, nous viser pousser. Nous ne venons pas dire nous qui n'a pas dit pour l'injustice. Non, nous visons être juste envers nos pays kafir, envers nos pays mouchrik. Nous visons l'injustice envers ça. Sa pays mouchrik là, sa pays kafir là. Et ce qui est déjà dit, bon, moi personnellement, qui suis déjà ressenti, quand, pendant la nuit, vous pouvez quitter la ville, vous pouvez traverser pour ban village, kafir, vous pouvez l'hôpital, ressenti-moi, vous pouvez gagner un pays, et vous pouvez dire, vous pouvez passer pour l'endroit kafir. Et quand on rentre à l'hôpital, on va dire, la score, toi, elle ne va pas recevoir toi. Quittez ça dans ce pays-là. Quittez ça dans ce pays-là. C'est vraiment quelque chose qui nous fait jouir. C'est vraiment quelque chose qui nous fait jouir. Désir du matin aux enfants, une malade, ban qui dans pour lui, bon, ce qu'on va comprendre, c'est dans pour lui, rentre pour lui même. Mais moi, dans le village, je n'ai pas l'hôpital, j'ai besoin de quitter mon gant. Passeport, un gant qui rempli avec mouchrik pour qu'il m'amène mes enfants à l'hôpital, énergie matin, désir du matin. On peut faire l'alhamdulillah. On peut capable faire l'alhamdulillah. Bon, pas bon, bien nous a perdu ça. Nous a préservé ça. Comment préserve ça? Al Gwadia fait vilain. Al Gwadia occasionne ce qui certaines personnes vous taxent vous comme terroristes. On peut pas faire quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose à l'eau, vous devez être juste qu'il a du bien dans sa pays-là. Il a quelque chose qui est positif. Et fais-nous d'awa, fais-nous d'awa, n'importe quoi, ça va être cause à l'Ijimoun, avec l'Ijimoun vers l'Islam, avec l'Ijimoun vers Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala est content parmi vous, nous vous invite vers ce livre. C'est ça, un petit peu nous, explication pas aujourd'hui, sinon c'est une prochaine, nous mettons un peu et son cher, après dimanche même. Fait un appel à ma frère chère pour que ce soit la présence dans et son cher, tout ça, Inch'Allah, avec le son de conscience.